name's Anna, and I'm 7 and a half, and I go to study school, and I interview you because I have a project called What Do You Want to Be When I Grow Up? So I interview you because when I grew up, I want to be an art teacher, so I choose you. So I have 10 questions, 5 in English and 5 in French. Great. Is it easy to be an art teacher? Why or why not? It's not easy to be an art teacher. It takes work, just like any other profession. You need to prepare your lesson plans, think about new projects, try and find exciting materials to work with, different ways to work the same material, think about all the students, all their needs. No, it's not easy, but it's fun work. Second question. Pourquoi veux-tu être un professeur d'art? Pourquoi je veux être une professeure d'art plastique? Parce que j'aime beaucoup être artiste, mais j'aime aussi apprendre des nouvelles façons de faire de l'art. Alors, quand on enseigne, on peut apprendre de les étudiants. Alors, être professeur, c'est un peu comme être étudiant de les beaux-arts. What is your favorite part of being an art teacher? What is my favorite part of being an art teacher? The surprises that happen in creating art. The unexpected effects that can happen when you test new ideas, when you try and create new images or new objects. My favorite part is working with people. Yeah. À quelle université as-tu fait tes études? J'ai fait mes études à l'Université de Concordia. J'ai fait un bac en studio art. Alors, c'est multimédia. Et après, j'ai fait une maîtrise en enseignement des arts plastiques à la même université. When did you know that you wanted to be an art teacher? It happened later. I didn't know when I was younger. I discovered it by surprise. I discovered it when I was in a class and I was an art student. And I enjoyed the workshop atmosphere, the exchange that happens between the teachers and the students. So I discovered when I was a student in Cégep, when I was about 19. Est-ce que tu aimes être un professeur d'art? Pourquoi? Est-ce que j'adore être professeur d'art plastique? Ça enrichit ma vie, vraiment. À tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes, je découvre de l'art qui est nouveau, que je n'ai jamais vu. Alors, j'adore être professeur d'art plastique parce qu'il y a ce contact avec les gens. Why do you want to be an art teacher? Why? Well, as I was saying, I enjoy people. It allows me to make art every day and to be constantly learning about what impassions me. So that's one few reasons, but also because I have a lot of fun working with young publics, students like yourself. I meet different people all the time. I get to visit different museums, learn about new artists. So there are many reasons why I enjoy being an art teacher. Est-ce que tu as déjà pensé à faire autre chose comme travail? Oui, quand j'étais plus jeune, je voulais être un docteur. Et j'ai changé de chemin. Quand je suis allée au Cégep, je suis allée dans le programme de sciences pures. J'ai fait une année en sciences pures et après j'ai découvert un cours d'art plastique. Alors avant je voulais être docteur et ça a changé mes idées. Je pense que c'est normal de changer ses idées. Quelle est la partie préférée de ton travail? D'être dans une ambiance créative,
d'être en contact avec des jeunes, de vous entendre, d'entendre vos jokes, ce qui se passe dans vos vies, de voir de où vous prenez vos idées. C'est-tu les livres que vous lisez? C'est-tu les voyages que vous avez faits? Est-ce que c'est ce que vous voyez dehors, dans le monde? Alors, il y a plusieurs aspects préférés de mon travail. Did you always want to be an art teacher? No, I think I changed ideas about what I wanted to be when I grew up many times as I was growing up. As I was saying, at one point in Cégep, I thought I was going to be a doctor. But when I was younger, I wanted to be a ballerina. And today, sometimes I think, I should have gone in architecture. But in the end, the arts allows you to talk about all these different topics. You get to talk about architecture, you could talk about science through art. So I'm happy that I changed my mind more than once. I think it's a good thing to change your mind about what you want to do when you grow up. Oh, it was a pleasure, my dear.